Eh bien, bien bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on va tester les Fortress Coil. On va passer sur différents plans de montage sur ce petit Droga. J'ai ressorti le Droga pour faire le Fortress. Pour la simple et bonne raison, c'est des coils qui sont en diamètre de 3, qui sont assez costauds quand même. Je vous ferai un plan au niveau des pattes une fois que je les ai recoupées. Et on va venir voir plusieurs choses au niveau des valeurs qui sont annoncées. Donc du coup sur la boîte, je vous avais dit que la première valeur la plus haute, donc 0,20, c'est sur du single coil, et la seconde valeur 0,15, c'est sur un dual coil. Donc on va également vérifier ça si les valeurs sont correctes. Vous verrez que dans la vidéo la valeur sera correcte. Pendant que je vous monte à peu près le montage en vitesse, on va venir parler du Fortress. Le Fortress, malgré qu'il soit assez costaud comme fil, il va demander quand même pas mal de puissance. Donc on pourra venir le mettre sur un bon petit mecha plutôt, on reste quand même sur du 0,15, donc c'est assez safe. L'inconvénient c'est que sur Electro, je pense que son mecha il fera la même chose, il va pomper les accus mais vraiment d'une vitesse assez phénoménale. Et par contre c'est une vape bourrin parce que c'est une vape assez chaude. Sur la Wismec je mets quand même à peu près 70 watts au début, je fais un rodage à 40 watts. Je vais quand même finir sur du 90-100 watts, vraiment pour que ça soit une assez bonne vape. Au niveau du coton, je vais mettre du Native Wick. Sur Dripper, je mets maintenant quasiment ça, ou alors du Bacon Prime, ou du Bacon V2 classique, ou alors bientôt, du petit Fiber Freaks. Ça fait plaisir qu'il soit de retour. Je peux rien dire de plus sur ce Fortress. Les pattes sont très faciles à couper. J'ai utilisé tout le matériel de chez Coilmeister, c'est la Daikit Mini V2. Vous la trouvez partout maintenant. J'ai juste utilisé un jig en plus. Ça c'est rien de plus magique. Le rodage, je vous ai fait le rodage avec le liquide, le concombre menthe, le dye, les duos tout simplement. Et après j'ai coupé avec le petit babasmousse. Je vous laisse sur ce petit beat. Je vous laisse maintenant sur une petite symphonie de beat. Il y aura un peu de tout, il y aura du damso, il y aura un peu de tout. Ça restera que de l'instrumental. Allez, en passant je vous offre une petite opportunité. C'est de gagner pas mal de box, dont une PS4, dont un téléphone. Il y a quoi comme box? Il y a la E-Just 3, il y en a 4 à remporter, il y a des Rologen, il y a pas mal de petites choses comme ça à remporter. La chose la plus simple, c'est de télécharger l'application Favl qui sera en description. Vous aurez juste besoin de vous inscrire, de poster pas mal de petites photos à l'intérieur, d'aller dans la catégorie de recherche et ça sera tout bon, vous pourrez tenter votre chance. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous.